Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te partager mes anciennes, mes très vieilles créations ratées, qui me plaisent plus, etc, etc. Donc, j'avais lancé un sondage, si on peut appeler ça comme ça, sur Instagram, en story, et puis aussi ici, sur YouTube. Et quelques-unes, oui je peux dire ça au féminin parce qu'il y a eu que des femmes qui m'ont répondu que oui ça les intéresserait. Alors c'est parti, je me jette dans le bain. On va dire ça comme ça. Donc je me suis installée sur mon lit parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi. Mais ça on s'en fout complètement. Il est lourd le bébé et c'est un gros pépère celui-là. Donc il est bien rempli, alors il va falloir que je fasse du tri. Ou alors que je change de carton. À voir, on verra bien. Donc il manque énormément de créations parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà parties à la poubelle. Et d'autres que mes filles m'ont piqué. Mais bon, j'en ai quand même un bon stock encore. Donc je sais même pas par où commencer. C'est le bordel en plus, c'est un truc de dingue. Alors on traîne pas trop et on fait ça rapidement. Et je prends le premier qui vient, sans regarder. Voilà. Et donc ça c'est un tuto que j'avais fait sur ma seconde chaîne YouTube. C'était une branche avec des cerisiers en fleurs. Pour faire les petites tiges, c'était des fils de nylon. J'avais bien galéré à le faire, c'était super long. Là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était pour un concours. Alors, les concours, ça fait une éternité que j'en fais plus sur YouTube, c'est terminé. Donc, c'était un petit clown au féminin et une clown qui était assise sur une chaise. Normalement, elle avait un cerceau aussi. Le cerceau, je sais pas où il est. Et en plus, la chaise, il manque de pied. Bon, ça, c'était logiquement un collier. Mais il est tout à plat plat. Je sais pas si ça se voit, mais il est tout à plat plat. Et il n'y a même pas de semelle. C'était vraiment le truc à l'arrache, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, je sais plus si je l'avais fait en tuto, si tu veux, je m'en souviens plus. C'était censé être un petit loup. Il fait une de ses tronches. Un loup à la pleine lune. Et la lune était phosphorescente. Voilà. Mon premier tigre. C'est pas terrible, hein. De toute façon, les animaux, c'est hyper compliqué à faire. Ensuite, je prends au pif, hein. Ça devait être un autre collier. Mais voilà quoi, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on dit. Alors ça c'était une petite sirène et normalement elle était dans un coquillage, un vrai petit coquillage, mais le coquillage a disparu. Et c'était vachement flexible, hein. C'était de la fimo, elle est vraiment très flexible, sans casser, ça c'est génial. Maintenant, je peux plus faire ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé de quelque chose, j'en sais rien. Bon, tu me diras, j'ai changé de four aussi entre-temps. C'est peut-être dû à ça. Ça, c'était censé être Mérida, la princesse rebelle dans Disney, avec son arc. Et logiquement, il y avait des flèches, mais je sais pas où ils sont. À l'époque, je faisais les visages en peinture. Maintenant, la peinture, c'est fini. Ça n'existe plus. Elle est grosse en plus, hein. Elle est mastoc celle-là. Bon, ça c'était un collier. Façon, on va dire patchwork, on va dire ça comme ça, avec plein de dégradés différents. Ça c'est un tuto que j'avais fait pour faire un effet géométrique. J'ai du mal à faire la mise au point. Un autre collier, donc là au milieu il y a un Hidden Magic. Ouais, c'est celui-là. Que je confonde pas les techniques, ça serait con. Un petit chat dans la résine. Le Monster Munch en cupcake. Attends. Voilà. Non, c'est pas Monster Munch, c'est des chips, ça. C'est une grosse connerie. C'est le Monster Cookie. Oh, n'importe quoi, moi. Bref, du coup, voilà. Et oui, alors je me souviens, il y avait un tuto à l'époque pour faire la base de cupcake en fimo liquide. Mais en fait, c'était horrible, quoi.
C'est vraiment très moche. Bref, du coup, voilà, mon Monster Cookie. Avec le cookie qui crache. Ah, mais attends, il est bloqué. Mais il est bloqué. Voilà, c'est beau. Il y avait le petit cookie au bout. Je m'étais fait chier à faire ça, quoi. T'imagines? Ça, c'était avec les encres Easy Ink. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de piñata, donc je faisais ça avec les encres Easy Ink. Et je crois que j'avais fait un tuto là-dessus aussi, justement. Ça, c'est pareil, c'était avec un Hidden Magic. Tous ces bijoux-là me plaisaient pas, donc j'ai tout foutu là-dedans. Ça, c'était censé être un bracelet, mais je sais pas si tu vois la taille du bracelet, tu rentres pas dedans, hein. Le système était sympa, hein. C'est trop petit, j'ai mal calculé mon truc. Et puis j'ai jamais voulu le refaire, alors c'est resté comme ça. Et notre petite sirène, c'est la petite sœur de Ariel. J'avais pas du tout voulu faire Ariel, mais finalement j'avais utilisé les mêmes couleurs. Bref, voilà. Encore une fois, le visage était en peinture et c'est horrible. Merde, j'ai fait tomber. Ça, c'était censé être Casper. Gentil fantôme. Mais il a même pas de visage. C'est vraiment le fantôme, quoi. Et c'était du phosphorescent qui brille dans la nuit. Un camé façon gothique. Et je crois... Non, le camé est en polymère, mais le... Enfin, du coup, le cabo... Attends, je vais y arriver. Le camé, oui, est en polymère et le cabochon en résine. Voilà. Encore une chibie. Et encore avec un visage en peinture et ses réponses. Et... Le truc de dingue. Bref, là elle est toute raplapla celle-là. Elle a pas de volume, rien du tout. Ça, je pense que c'était. J'ai voulu faire une geisha. Et Mastoc aussi, hein. Y a pas de jambes, y'a rien. Le dégradé est très foireux. Un petit renard! Oh, il est même pas cassé celui-là, putain. Un truc de dingue. Il a une sale tronche, hein. Voilà. Ensuite, il s'agit de mon premier, je crois que c'est le premier celui-ci, Davy Jones, le poulpe bizarre dans Pirates des Caraïbes. Et à l'époque, j'avais tellement peur que j'avais jamais voulu faire de la peinture ou de, enfin, mettre le truc en couleur, quoi. Donc il était resté brut. Et j'avais abandonné l'idée. Et c'était, à mon avis, posé sur un support camé. Il était à l'abandon, parce que j'ai jamais voulu aller jusqu'au bout. Un autre petit camé en résine, tout en résine, à part la petite mademoiselle au milieu qui est en polymère, bien évidemment. Et toute petite riquette. Un autre petit bijou avec une canne coquelicot. Ouais, j'avais réalisé une canne coquelicot, puis j'avais fait ce petit bijou-là. Et derrière, c'était juste un effet marbré. Ça, il y avait une autre moitié. Je vais mettre ça de côté. Là, c'est censé être Belle, si je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être Belle, ça. Pareil avec le visage en peinture. Et elle est toute raplapla aussi. C'était... À l'époque, je faisais des petites mademoiselles comme ça. Elles sont immenses, en plus, elles sont super grandes. Voilà, c'est juste un cœur matelassé. Avec sa petite rose. Et derrière, c'est même pas travaillé. Oula! Ah oui! Oh putain, c'est vieux ça! Ça, c'est la chaise du Père Noël. Son fauteuil, son trône, comme tu veux. Mais il n'y a plus de pied. Et le Père Noël, je sais pas où il est. Attends, je crois que le voilà. Ouais, c'est lui! Putain, la chance! J'ai le Père Noël qui est assis sur son trône. Pas le trône de chiottes, hein. Il a plus de lunettes, mon Père Noël. Je crois qu'il a un strabisme aussi, non? Et le pompon du bonnet, il a disparu aussi. Bon, il a, en fait, cette création-là a vraiment très souffert. Ça. Ah oui, alors attends. Parce que c'est le bordel, celui-là.
Je m'étais fait chier, hein, c'est qu'à le dire, excusez-moi, pour essayer de réaliser un montage sympathique. Bah en fait, ça me plaisait pas du tout, j'ai tout abandonné. Alors je sais même plus comme, de quelle façon il était. Je m'en souviens plus du tout. J'avais fait un dégraté avec le bleu et le nacré et j'avais fait une impression de dentelle. Oh le pauvre! Oh la vache! Lui il a vraiment plus que souffert lui. C'était Capitaine Crochet. Il manque plein de morceaux là. Et en plus la tête elle tient plus. Regardez. Il peut faire l'exorciste. Purée. Il manque un bras. Il manque plein de choses. Bah il manque le crocodile d'ailleurs. On va retrouver ça plus tard, hein. Ça, c'est quoi? Un pont. Ou quelque chose comme ça en tout cas. Sur un cœur. Bien sûr, derrière, ce n'est pas travaillé. Voilà. Ensuite, un gâteau. Oh, de la gourmandise. C'est rare. Avec plein de petites fleurs. Et la fimo liquide, là, enfin le coulis, qui a tout dégouliné en dessous. C'est génial, hein? C'est pas mal. C'est crado, c'est dégueulasse. Celle-là, je crois pas qu'elle soit si vieille que ça. Je crois que je l'avais fait une fois que le film était sorti. Ah, mais il commence à dater maintenant le film. Enfin bref, c'était Cendrillon, des temps modernes. Et toujours le visage en peinture. Mais un peu plus travaillé. Et tadam! Elle a pas de jambes. Et les bras sont vraiment très statiques. Ça, c'est ma petite réponse. Ma petite, hein, j'ai bien dit petite. Hein. Et je l'avais refait il y a pas mal de temps aussi maintenant, mais en beaucoup plus petit. Et la lune était phosphorescente. Elle l'est toujours. Et ça, c'était inspiré d'une création de Angenia Creation, une italienne, qui est très connue. Et toujours le visage en peinture. Même les petits détails sur la robe. Enfin bref, voilà, ça casse pas trop patin, canard. C'était une création pour Pâques. Et c'est pareil, je crois que c'était pour un concours aussi. C'était il y a très 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 longtemps. C'est un lapin dans sa petite cabane. Et le lapin, il lui manque une oreille. En fait, c'était pas une cabane, c'était censé être un œuf de Pâques. Avec le lapin à l'intérieur. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça. En fait, je le présentais comme ça pendant le concours. J'ai dit, regardez, j'ai fait un joli petit œuf. Et à l'intérieur, se cache un lapin avec une carotte. Oui, mais le lapin, il manque une oreille maintenant. Voilà, bref, du coup. Ça, encore une petite chibie sur une lune phosphorescente. J'aimais bien les lunes. Hein. J'en fais souvent des lunes. Et pareil, le visage était en peinture. C'était plus une sorcière, là. Hein. Ouais. Une petite sorcière. Je crois que ça a du mal à faire la mise au point, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Donc ça, c'était... Je crois que je l'avais fait en tuto. Si c'est pas celui-là, c'était un autre. Mais bref, du coup, c'était une fleur de lotus. Sur sa feuille. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'était mon bracelet dragon. Ah oui, je m'étais fait chier à faire chaque petit truc à la main. En essayant que ça soit le plus ressemblant possible. Et c'était en dégradé. Ouais, c'était un petit bracelet. Enfin petit, il était trop grand. À la tête du dragon, là. Et après, toutes les... On va dire les écailles. Et l'arrière était même pas travaillé non plus. Ça, j'avais fait ça pour un concours que j'ai vite regretté. Et j'en avais fait plusieurs modèles comme ça parce que j'arrivais pas à... Tous ceux que je faisais, je disais c'était pas beau, je les aimais pas du tout. Je sais même plus si... Non, bref. On s'en fout. Voilà un petit bijou que j'avais fait pour un concours que j'ai détesté. Voilà. La création comme le concours d'ailleurs. ça c'est une fleur de... Une rose de Noël. Pareil que j'avais fait en tuto aussi il me semble. Sur mon autre chaîne. Et là il manque une feuille.
Oh, une toute petite réponse. Oui, bah des réponses, c'est un de mes Disney préférés après La Fée Clochette. J'adore La Petite Réponse. Toujours le visage en peinture. En plus, il a dégouliné partout, il est tout dégueulasse. Et là, il y a les petites jambes quand même, hein. Encore une Cendrillon. Toute petite. Avec le visage qui est parti en cacahuète aussi. C'est pour ça que la peinture, je déteste ça. Ça tient pas, c'est de la merde. La peinture, maintenant, ça n'existe plus chez moi. J'hésite alors, on s'en fout. Ça, c'était un petit bijou en résine et polymère. J'avais fait le cabochon en résine avec des petites fleurs séchées. Et puis le contour en polymère. Là, c'est ma toute première Gorgeous. Donc, il lui manque un bras. Et je me souviens que dans ses bras, il y avait une petite banderole. Avec plein de petits... je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était des petits... Non, moi je sais plus. Bref, voilà ma petite Gorgeous. La toute première que j'avais réalisée. Elle est grande. Ensuite. Bah ça, c'est une roue. En fait, j'avais fait le carrosse de Cendrillon et ça fait... C'est une des roues. Et j'avais fait de la colle chaude et ça se voit beaucoup, beaucoup. Ça fait tout dégueulasse. Bah là, il y a une deuxième roue. Ça, ça fait partie d'un collier et ça, c'est juste une partie. L'autre partie, je sais pas où elle est. Et le papillon, je l'avais fait de chaque côté. C'est bien quand même, hein. Bref. Ça, c'est Mère Noël. C'est Maman Noël. Elle est jeune, Maman Noël, hein. Père Noël, il fait un peu de... voilà. Et toujours le visage en peinture. Elle est sexy, en plus, Maman Noël, hein. Elle est raplapla, mais elle est sexy quand même. Ça, ça fait partie des toutes premières chibis que j'avais réalisées. Elles étaient balèzes, hein. Avec des ailes papillons, entre guillemets. Puis elle était assise sur une fleur et des feuilles. Voilà. Et derrière, j'avais quand même fait des cheveux, hein. Ensuite, ça... Ah, attendez, c'était Jasmine. Bah, ça l'est toujours. Toujours le visage en peinture. C'était pas terrible, quoi. Hein. Voilà. Bon, du coup, là, j'ai Blanche-Neige. Et un œil. Mais j'arrête pas de faire tout tomber. Blanche-Neige. Bon. Toujours le visage en peinture. Et en mode raplapla. Oh, il y avait un peu de volume sur la jupe, quand même. Hein. Et les bras, putain, on dirait des spaghettis, quoi. Oh, c'est dingue. Un autre petit lapin rose. Je pense que c'était pour Pâques aussi, celui-là. Et là, il a toutes ses oreilles. Hein. Il a des bras à rallonge aussi. Voilà. Ça. Ah, c'était là une queue de sirène, tout simplement. Que je voulais faire un pendentif juste comme ça. Mais en fait, c'est horrible. Voilà, il y a encore une roue. On va finir par le reconstruire, hein, le carrosse. Hein. Ça, c'était en résine, mais la résine, je sais pas ce qu'il y a eu, elle a complètement jauni. Dès que je l'ai sorti du moule, en fait, c'était tout jaune. Je pense que c'est dû aux fleurs qui étaient à l'intérieur. Donc bah voilà, c'est parti. Non. J'ai dit non, j'en veux pas. Donc ça part dans le carton à... Moi, j'appelle le carton à poubelle. Mes vieilles créations pourries que je veux pas. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'était? Bah, c'est juste du silk screen, donc c'est de la triche. Voilà. Ça, ensuite. C'est un œil de... Ah non, attends. Oui, c'est ça, un œil de Magic. Il a des jolis reflets non plus, celui-là. J'aime beaucoup. Il est tout en vert et argenté. Mais il y a beaucoup de profondeur. Je pense pas que ça va se voir à la caméra, malheureusement. Mais ouais, il était plutôt pas mal, celui-là. Bref. Ah bah ça, voici l'autre partie. Enfin, un autre bijou que j'avais fait. Je sais plus c'est quoi cette technique-là. Mais en fait, j'aime pas du tout. C'est pas mon délire du tout. C'est pas mon... Non, j'aime pas faire ça. J'avais pris aucun plaisir. C'était plutôt un casse-tête qu'autre chose, quoi. Ça, c'était aussi un petit bijou en résine. Mais en fait, j'avais pas vu que... C'est un... Comment ça s'appelle? Un tatouage à l'intérieur, mais j'avais pas vu qu'en fait les contours ils allaient pas être transparents.
Du coup, ça fait très moche. On voit les contours du tatouage, c'est pas beau. Alors j'ai dit non, poubelle. Ma poubelle, non, je sais pas mettre les choses à la poubelle. C'est pour ça que je garde tout. C'est très difficile pour moi de mettre à la poubelle. J'aime pas ça. J'aime pas. C'est... Bref, voilà. Du coup, ça, il me semble que je l'avais fait en tuto aussi. Mais c'était tellement long que c'était plutôt en speed modeling. Bref, du coup, c'est un cadre en résine. Enfin, c'est juste le fond en résine parce que tout le reste est en polymère. Avec une petite fée. Et mais en fait, elle est affreuse. Ensuite, ça, j'en avais réalisé plusieurs des comme ça. Mais bah, en fait, à chaque fois, j'étais déçue. Donc, c'est la petite fée clochette en ombre. Ça, c'est un petit dauphin. Mais à l'époque, j'avais pas de résine. Du coup, j'avais fait le fond en film liquide. Et ça faisait pas beau. Un petit cupcake cookie. Ensuite, toujours en Island Magic. C'est ma technique préférée, mais en fait, cela, ça rendait pas bien du tout. Puis à l'époque, j'avais pas de ponçage. Enfin, j'avais rien pour poncer, donc c'était vraiment en état brut. Ça, c'est de la résine aussi. Mais pareil, elle avait jauni. Et ça, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait pas de fleurs à l'intérieur. Alors, j'avais essayé de recouvrir avec de la fimo noire pour voir si ça allait changer quelque chose, mais en fait, ça avait rien changé du tout. Ça, c'est un Mokumegane, façon aquatique. Un petit grimoire, ça c'est pareil, j'en avais fait plein. Et il y avait de la dentelle tout autour. Un autre petit grimoire avec de la dentelle. Plus une petite perle. Bon, une fleur complètement cassée. Il n'y reste plus grand chose. Ça, je crois que ça faisait partie. Ça allait avec le papillon. Que le bijou était en plusieurs parties. Bref, là c'était une petite fleur toute bleue, voilà. C'est de la nature et je crois qu'il avait mis une breloque au milieu à l'origine. Il y a des petites fleurs et des petits papillons. Ah, mon centaure, ça c'est pareil, j'ai fait ça pour un concours. Bah, il manque un bras et bah, tout est cassé. Aïe, oui, c'est cassé. Pareil, le visage était en peinture. C'est mon centaure. Sans bras. Ah bah si, avec un. Et non, pas j'avais fait l'effort de faire les mains là. C'est dingue, hein. Ariel, la petite sirène. Ah, les cheveux. Ah, c'est pas se coiffer, hein. La fourchette, il faudrait qu'elle change. C'est juste une plaque de texture avec un effet doré. Avec la poudre dorée. Rien de bien sorcier. Une guitare! Ouais! Une petite chibie habillée en mode hiver. Voilà, avec un pull col roulé et le bonnet sur la tête. Et toujours le visage en peinture. Ensuite, ça c'était Madame Chocolat. Elle était normalement mise sur un support camé, mais j'ai récupéré le camé. Toujours le visage en peinture. Un petit gâteau de mariage. Ça va avec l'autre. C'est le même Island Magic que tout à l'heure. Un petit cœur version Sutton Slice. Une fée clochette. Attends, parce que j'en ai fait énormément de fées clochettes. Et tu vois, je les mets tellement pas du tout que j'ai pas fait le visage, j'ai pas fini. Et en plus, la tête est cassée. Et les ailes, elles étaient en fimo liquide, du coup elles tiennent pas du tout. Elles étaient tellement fines que ça tient pas. Je vois une autre petite fée clochette dans une fiole. Elle est toute petite la fée clochette. Hein. Avec des paillettes au fond pour faire comme de la neige. Si on n'a pas une autre dans le coin là, non? Un petit panda. Avec son cœur bleu. Un ballon, je pense, en forme de cœur. Oh, mais merde, je fais tout tomber, moi. Ça m'énerve. Encore une mademoiselle sur sa lune phosphorescente. Et celle-là, je l'aimais beaucoup. Et j'avais fait sa robe tout en translucide.
Celle-là, je l'aimais beaucoup, celle-là. La robe était très, 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 très volumineuse. Du papier d'alu. Ah, ça, c'est comme l'autre. C'est pareil, la résine, elle avait jauni. Enfin, elle avait même blanchi. Et je suppose que c'est à cause des fleurs. Du coup, j'avais essayé de mettre... de recouvrir avec de la fimo blanche. Mais en fait, ça n'a rien changé du tout. Une petite réponse. Elle est choupinou, celle-là. Ça, c'est avec quoi? Ah oui, c'est avec mes petits cabochons en verre. J'avais fait un... Bah, rien du tout. J'ai fait du n'importe quoi. Et je crois que j'avais fait un truc comme ça en tuto aussi. Un autre petit grimoire avec de la dentelle et une petite perle. Ça, c'est un petit cabochon en résine avec un petit coquillage à l'intérieur. Et j'ai fait de la fimo tout autour. Mais j'aimais pas le résultat. Les mignons. Il y a Stuart, Bob et Kevin. Les uns au-dessus des autres. Les mignons, j'en ai fait pas mal. Hein. Eh ben en fait, j'ai dit une connerie. C'était pas un collier. C'était une petite fée, mon aile de papillon de tout à l'heure. Enfin oui, c'était un collier, mais c'était pas le collier auquel je pensais. Bon bref, du coup, voilà. L'autre moitié. Ma petite chibi lui manquait un bras. Le visage en peinture, c'est fait la malle. Bref, c'était pas terrible. Ça, c'était un petit bijou pour foulard. Il y avait une petite breloque qui était là. Bref, c'était juste un effet craquelé tout simplement. Ça c'était... Ah oui, à l'époque je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup des yeux de dragon. Je me demande si ça c'est pas le premier. Il était posé sur un support camé aussi normalement. Ça c'est quoi? Bah c'est un canapé. Ah oui, ça allait dans une petite maison que j'avais fabriquée. Je crois que c'était la maison des Schtroumpfs. J'avais fait la maison des Schtroumpfs et ça c'était le canapé. Si je dis pas de bêtises. Le canapé n'a pas de pied. Hein. Il était posé au même le sol. Il y avait une petite couverture et un petit coussin. Et en parlant du schtroumpf, j'en vois un là, posé sur un champignon. Il a été recollé parce qu'il y a sur ses fesses, il y a un point de colle qui est tout moche, qui est tout jaune. Voilà mon schtroumpf. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de schtroumpf. Ça, c'était un homme. Un chibi homme. J'en faisais... À chaque fois, on fait des femmes. Je voulais faire des hommes. J'en ai fait que deux, je crois, dans ma vie, des hommes. Bah, du coup, voilà. Mais il n'était pas beau. Il n'aimait pas du tout. Il n'y a pas de cul, en plus. Ensuite, là, ouais, j'avais essayé de faire un je sais pas quoi. Et en fait, j'avais mal mis le truc à l'intérieur. Et il y a plein de trous. Je sais pas si ça se voit. Mais c'était très moche. Et la petite cuillère qui tient pas des masses. Ça c'est pareil, c'était en résine avec une fleur de... C'est pas de la cannelle? Si, c'est de la cannelle? Non? Je confonds toujours moi. Bref, voilà. Et le support que j'avais réalisé en fimo. Ensuite, ça c'était juste une plaque de texture avec du pastel. De texture. De texture. Rien de bien sorcier. Bon, ça, il y avait un mica chiffre d'un côté et un motif chevron de l'autre. Mais c'était très pas beau. Ça, c'est réalisé juste avec des cannes. Oh, ça, j'avais pompé l'idée à quelqu'un. Et je trouvais ça super sympa, du coup, j'avais essayé de le faire moi-même. Mais finalement, bah, en fait, j'aimais pas. C'était une boucle de ceinture. J'avais changé quelques petits trucs, il me semble. Je sais même plus. Et l'arrière n'était même pas travaillé. Ah, oui, celui-là. Ah, attends. Il y a encore la chaîne dessus. Non, toi, t'as rien à voir, toi. C'était un collier attrape-rêve dragon. Mais il est encore vivant, lui. Il n'y a rien de cassé. Un truc de dingue. T'as les ailes. Bien souple, en plus. L'attrape-rêve avec une perle au milieu. Les petites plumes.
Tout était en argent, quoi. La Reine des Neiges, bah oui, on l'avait pas vu celle-là encore. Très moche encore une fois, avec le visage en peinture. Mais j'avais fait l'effort de faire sa traîne là, ou je sais pas trop quoi, en fimo liquide. Du coup c'était tout. Voilà. Mais elle est vraiment pas belle. Hein. Un petit diamant en résine, qui avait jauni. Mais c'est pas beau du tout. La fée clochette version Noël. Oui, c'est mignon. Elle est moche, hein, mais c'est mignon. Oula, merde. Bah, elle a été décapitée. C'est Tiana, la princesse et la grenouille. La pauvre, elle a plus de tête. Et puis elle a pas de jambes non plus. Oh merde, alors. Putain, la robe a été plutôt pas mal, hein. Ça va, on va pas te... Voilà, quoi. Ouais, j'ai rien dit. Vas-y. On va retrouver sa tête après. Bon, je pense que pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là, ça va être tout. Parce que ça fait déjà quand même une grosse demi-heure. Hein, on va dire ça comme ça. On va arrondir à 30 minutes. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie-là. La semaine prochaine, il y aura la deuxième partie. Sauf si ça t'intéresse pas. Hein, je m'arrête là. C'est comme tu veux. Tu me dis ça. Voilà. On en a déjà vu quand même pas mal, hein, l'air de rien. C'est des petites conneries. Bref, du coup, pour cette vidéo-là, je m'arrête là. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire, comme d'habitude, et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous, et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye !